Satan dit, celui-là. Il dit, Satan dit, tu as quoi pour payer? Avant, on avait amené le sang de bouc. Satan dit, niet. La Bible dit, ce n'est pas par l'or périssable. On a pris de l'argent. Il dit, non. L'or, non. Vous savez, l'âme, vous avez remarqué toutes les cargaisons dont on a cité des marchands. Là, on finit avec lui. On a cité l'or, tout ce qui peut être précieux sur la terre. Et on conclut le summum du précieux dans le monde. Ce n'est ni l'or, c'est les corps et les âmes. C'est la plus haute richesse. Quand des jeunes, pour des gens, pour devenir célèbres, vont voir des marabouts, des féticheurs pour la gloire, ça ne coûte rien à Satan de te donner la célébrité. Si là, ton âme, c'est le plus grand argent qu'il puisse avoir. L'âme. L'âme de quelqu'un, tu prends sa destinée, tu prends même sa richesse. Même tu prends son âme, tu prends sa capacité à produire de l'argent. C'est les échanges d'âmes là qui prennent l'intelligence de certains pour aller donner à d'autres et puis ils prospèrent. On dit les marchands se sont enrichis de leur commerce. De quel commerce? L'âme. Parce que l'âme des gens, dans l'âme, il y a leur intelligence, ce qu'ils auraient inventé, ce qu'ils auraient créé, les entreprises qu'ils auraient mis en place. Tout ça là, quand on a vendu ton âme, c'est toutes ces choses qui partent. C'est terrible. Mais la Bible dit, nous avons été rachetés. Pas nous serons rachetés. Le sang de Jésus. Aucun sang ne vaut le sang de Jésus. Aucune heure de prière ne vaut le sang de Jésus. Aucun jeûne ne vaut le temps de Jésus. Mes amis, et Papa Karambiri enseigne souvent ces choses-là. Il dit, frère, si tu n'as pas compris la valeur du sang, ton jeûne n'a pas de sens. Si tu crois que c'est 40 jours de jeûne, sans manger, elle dit, c'est qu'il y a des gens en Inde qui font 60 jours. Mais Satan les tient. Le sang de Jésus est la plus haute valeur. Parce qu'il y a l'âme de Dieu. Et il n'y a pas plus grand que Dieu. Il n'y a pas plus grand que Dieu. Il n'y a pas plus élevé que Dieu. Il n'y a pas plus glorieux que Dieu. C'est ce sang-là qui a coulé. Un fils nous est donné pour payer cash. Il dit, l'endroit c'est quoi? Il dit, où est son intelligence, ce monsieur-là? Ah, son intelligence, ça est quelque part aux États-Unis là-bas. Aux États-Unis, qui fait quoi avec ça là-bas? Non, sa descendance là, depuis longtemps, son avion était arrivé en Afrique, ils ont fait un pacte là, les gens ont pris le sang de leur famille. C'est pourquoi ici, ils sont pauvres comme ça. Non, non. Il y a des gens qui s'enrichissent là-bas. Jésus dit, son grand-père, son aïeul l'a payé combien? Et puis Jésus a mis, Dieu a mis plus. Il dit, tiens, bam. C'est le sang de Jésus. 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 Alléluia. Ce sang a racheté nos âmes. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire quoi? Que tout ce qu'on a pu perdre de sagesse, d'intelligence, de sentiments, d'émotions corrompues, tout a été restauré. Tout, tout. Seulement si nous croyons dans le sang. Il dit ceci, vous avez été rachetés. Seulement ne devenez pas esclaves des hommes. C'est-à-dire, il se peut que, malgré qu'il est déjà accompli, tu te considères dans ta tête comme étant à nouveau esclave. Parce que tu ne crois pas dans la puissance du sang. Tu ne réalises pas la valeur du Fils qui a été donné. En fait, c'est par ignorance maintenant que nous tombons à nouveau esclaves des choses. Jésus a déjà tout payé. La maladie est totalement illégale. Le diabète n'a pas le droit d'être dans ton sang parce que tu as été racheté. Peu importe la faute, peu importe la cause, tu peux t'appuyer sur la valeur du sang et dire, j'ai été racheté. C'est pourquoi un des premiers textes que j'ai lu dit ceci. Vous avez été racheté à un grand prix. Glorifiez le Seigneur dans votre corps. Glorifiez-le dans votre esprit. Tu n'as pas vu qu'il n'a pas cité l'âme? Parce que ton esprit, dans ton corps, il faut glorifier Jésus. Alléluia. Maintenant, dans ton esprit, ça veut dire dans ta volonté là. Dans ton esprit là, né de nouveau, régénéré. Il faut glorifier. Il faut glorifier, ça veut dire quoi? Élever. Et je reviens sur ce que je t'avais dit. Jean 8, 28. Jésus donc leur dit, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez
ce que je suis et que je ne fais rien de moi-même. Amen. Comment ça se fait que certains chrétiens, comment beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à réaliser? Jésus l'a déjà fait, mais maintenant le truc c'est que nous on doit réaliser. Il dit, vous avez été rachetés, glorifiez-le dans votre corps et dans votre esprit. Parce qu'en fait, si je ne le glorifie pas, je ne vais pas réaliser ce qu'il a fait. Tu sais, on peut t'avoir acheté, hein? Mais comme le vendeur, le voleur, c'est un menteur, patenté. Si tu veux lui demander, Satan, excuse-moi, tu es sûr que je ne t'appartiens plus, hein? Il va te dire quoi? Mais tu es à moi-même. Il dit, mais ce que Jésus a fait là, c'est vrai, vrai. Il va te dire, c'est faux, faux. Il va t'expliquer, ça dépend. Tu n'as pas assez. Dès qu'il te dit que tu n'as pas assez gêné pour ça. Dès qu'il te dit que tu n'as pas assez gêné pour ça, Satan te dit que tu n'as pas assez gêné. Et que tu te dises, bon, il faut que je gêne. Ça veut dire que tu ne crois pas dans le sang. Ton jeûne ne peut pas faire plus que le sang. Quand tu rentres en jeûne, parce qu'il faut rentrer en jeûne, tu rentres en jeûne en t'appuyant sur l'œuvre du sang. Tu jeûnes dans la victoire parce que tu sais que le sang a tout fait. Ce n'est pas le jeûne qui te donne la victoire, c'est le sang qui te donne la victoire. Le jeûne, c'est la manière pour toi de mieux réaliser la valeur de la croix. Et de ne pas laisser, quand on dit glorifier Dieu dans ton corps, c'est de dire à ton corps, mon corps, je vais te priver de nourriture. Pour que tu comprennes que cette situation-là, Jésus est déjà au-dessus. Parce que le problème, alléluia, alléluia, c'est les sensations de ton corps, de ta chair. Il dit glorifier donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit. Et c'est là ce que, je reviens à ce passage de Jean 8, 28, il dit, lorsque vous aurez élevé le fils, vous comprenez, ce n'est pas l'enfant. C'est un fils qui nous est donné. Lorsque vous aurez élevé le fils de l'homme, alors vous connaîtrez. Il n'a pas dit vous connaîtrez qui je suis. Ce que je suis. Vous savez, si on nous demande à nous tous ici, qui est Jésus? C'est le fils de Dieu. Moi, à la croix pour nos péchés, ressuscité, et sauveur du monde. Ça, c'est qui est Jésus. Mais quand on dit ce que, ce qu'est, ça veut dire son poids, ça veut dire sa valeur, ça veut dire sa puissance. Quand on dit Amen, il dit, le texte dit, si quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, vous connaîtrez ce que. Ça veut dire, vous savez, souvent, une fois, je m'assois devant Dieu, puis il dit, mais Dieu, tu nous parles d'une manière. Comment tu as fait pour ne pas dire, vous connaîtrez qui je suis? C'est quel français ça? Vous connaîtrez ce que je suis. Est-ce que tu as une chose? Non. Ce que tu es, ça veut dire quoi? C'est qui tu es ou bien c'est ce que tu es? Il dit non, qui je suis là, tu vas dire mon prénom. Mais quand on dit ce que je suis, c'est ma substance. C'est... Alléluia. Amen. Et dites, vous connaîtrez ce que je suis. C'est ma substance. Vous allez réaliser quelque chose d'autre. Mais vous ne pouvez réaliser cela pas simplement en me chantant, en m'élevant. Élever Jésus, c'est une manière toute particulière de le chanter. C'est une manière toute particulière, même pas de chanter, c'est même pas chanter. Il y a beaucoup, vous savez, dans les mots d'adoration, il y a beaucoup d'expressions. Il y a magnifier, il y a exalter. Exalter, élever, c'est pareil. Magnifier, même, c'est pareil. Glorifier, c'est pareil. Presque pareil. Amen. Il y a se prosterner. Et puis, il y a élever Jésus. Il dit, quand vous aurez élevé, dis à ton voisin, il faut l'élever. Alors, je vous avais dit tout à l'heure que les puissances qui possèdent le corps des hommes et le sang, ce sont les hauteurs. Alors, Jésus est en train de dire, la chose est élevée, non? Quand on dit la hauteur, là, ça veut dire c'est élevé. Il est en train de dire, tu vois, il y a des esprits qui dominaient. Il dit, donc qu'est-ce que tu fais? Faut me placer au-dessus. Quand, alléluia. Quand tu as l'impression qu'il y a une hauteur illégale qui est en train de te déranger, tu vas comprendre ce que moi je suis. Quand on dit ce que, ça veut dire, tu vas savoir ce que j'ai fait pour régler l'histoire de cette illégalité qui veut te attaquer. Qui veut t'asservir pendant que j'ai déjà réglé le problème. Alléluia. Mais pour ça, hein, il ne faut pas simplement me chanter. Ce n'est pas quand vous chanterez Jésus
quand vous élèverez Jésus. Donc, quelle que soit la chose illégale qui est dans ta vie, dans ton corps, quand tu dis élever, là, c'est-à-dire que tu regardes le problème dans ton esprit. Puis tu regardes, tu dis, mais mon Jésus, là, il est plus grand que ça. Alléluia. Quand un patron, un directeur, quelle que soit sa force, s'élèvera contre toi, c'est une hauteur, tu le regardes jusqu'à... Puis tu souris, un petit sourire. Tu dis, celui que moi je prie, il est plus grand que cette situation. Jésus, 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 tu es... de tout. Et alors chacun va s'approcher d'une forme de hauteur. Comment tu sais que quelque chose est une hauteur? Lorsque tu penses à ce problème, tu perds tes moyens. Quand on dit les esprits, il dit ce n'est pas la hauteur qui va nous séparer de l'amour de Jésus. La hauteur, c'est un esprit, mais c'est quoi en fait? Ça veut dire c'est un problème qui est au-dessus de tes forces, c'est tout. C'est une situation qui est au-dessus de tes finances, de tes ressources, de tes moyens. Ça veut dire, elle est plus haute que toi. Ce qu'on appelle une hauteur. Et devant cette hauteur, tu te sens impuissant, incapable dans la défaite. Et la Bible dit, tu as été racheté. Il faut glorifier Jésus. Ça veut dire, ton corps, ouvre ta bouche. La bouche de ton corps, dis ma bouche, tu vas parler. Amen. Tu dis à tout ton corps, je te prends en otage. Ça suffit d'être otage de la peur. Pendant que ton corps veut trembler, tu le consentes. Tu dis, il tremble un peu, mais tu le maîtrises. Et tu regardes la situation en face. Et tu regardes la situation en face. Tu regardes ce que la médecine a dit. Tu regardes ce que ton patron a dit. J'ai fini avec toi. Tu regardes ce que les gens ont dit. Tu déclares ce que les gens ont déclaré. Tu entends tout ce qu'ils ont dit. Et tu te consentes dans ton cœur. Et tu déclares ces choses. Jésus, tu es le plus grand. Au-dessus de tout. Quelqu'un s'élève, est-ce qu'on peut lever Jésus? Jésus, 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 tu es le plus grand. Au-dessus de tout. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Jésus, Jésus-Christ, Jésus, mon Seigneur, Jésus, mon Sauveur, tu es le plus grand, au-dessus de tout. Je veux dire Jésus, 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 et tu es le plus grand, au-dessus de tout. Seigneur Jésus, ce problème me dépasse. Seigneur Jésus, ces éléments-là me dépassent. Papa, la situation que je traverse me dépasse. Mais moi, ce que je vois, c'est que tu es plus grand. Au-dessus de tout, je veux le déclarer, l'annoncer et y croire que Jésus, dans mon cœur, Jésus, dans mon esprit, Jésus, dans mon âme, tu es le plus grand. Au-dessus de je ne sais pas comment m'en sortir. Je peux dire ceci que Jésus, 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 tu es le plus grand, oh, au-dessus de tout. Je peux dire, je déclare Jésus. Seigneur mon Dieu, quel que soit le défi, je veux dire que Jésus, 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 tu es le plus grand, au-dessus de tout. Par mes forces, par mes moyens, je ne sais comment m'en sortir, mais je sais que Jésus, mon Dieu, Jésus, oh Jésus, oh, tu es le plus grand. Au-dessus de tout, mon Jésus, Jésus, Jésus,
Grand message. Il n'y a pas une meilleure prédication que d'être conscient que Jésus, le Fils de Dieu, est mort pour toi, qu'il est mort pour moi. Tout est là-dedans. Parce qu'il est mort, nous avons la vie. Parce qu'il est mort à ma place, nous sommes pardonnés. Parce qu'il est mort, nous sommes sauvés. Parce qu'il est mort, il a brisé nos chaînes. Parce qu'il a payé le prix, nous sommes sauvés, nous sommes pardonnés, nous sommes restaurés dans notre intelligence. Il nous a rachetés, il a ramené ce qu'on avait perdu, il a remis en place les choses, il a remis de l'ordre en nous. Oh, Jésus. Oh, 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 Jésus, Jésus, Jésus-Christ. Aucune puissance qui peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Saint-Esprit, donne-nous de réaliser, d'élever Jésus et de voir l'œuvre et de réaliser l'œuvre du rachat. Nous ne sommes plus esclaves, esclaves des hommes, esclaves du péché, esclaves de la maladie, car tu as payé le prix. Nous te levons, nous te Tu es le plus grand, au-dessus de tout. Tu es le plus grand, au-dessus de tout. Seigneur Jésus, tu es grand. Nous voulons acclamer ta grandeur, acclamer ta puissance, acclamer ta force, ta sagesse, ton esprit. Que soit la gloire, Jésus, que soit les honneurs. Brina baba shota rababra das glorionagro.
Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Merci Jésus. Amen. Alléluia. Un enfant, un fils. Alléluia.